Nakamura. Et les amis, j'embrasse ça encore une fois ici. Eh bien, c'est ici que ça va se passer dans quelques heures. Sur le ring, 10 rounds de boxe avec Raymond Rougeau dans un coin et Owen Hart de l'autre. C'est ça ou jamais. Eh bien, moi, je m'en vais parce qu'il faut que j'aille mettre mon tuxedo que je dois préparer pour tout à l'heure. Alors, c'est là qu'on va. Tous les fervents entraient avec le cœur plein d'enthousiasme à l'idée de voir le grand héros Raymond Rougeau sur le ring en plein cœur de l'action. Moi-même, j'ai eu un grand plaisir à rencontrer plein de fanatiques, plein de fervents. Et il y en a un même qui a comparé Raymond Rougeau à Mike Tyson. Fantastique. Dino Clavet, qui était là en compagnie de Raymond avant le match, qui préparait et qui aidait vraiment Raymond à se concentrer. Et dans sa loge aussi, son père Jacques Rougeau, qui suivait le tout de façon très intense. L'entrée de Owen Hart était aussi spectaculaire, mais celle de Raymond Rougeau a levé le tout. Et la salle s'est emportée, on le voyait ici même avec l'emblème de Dino Clavet sur son dos. Et c'était le face-à-face, on se mesurait l'un contre l'autre. Raymond Rougeau et Owen Hart. Pendant les trois premiers rounds, Raymond sert une bonne leçon de boxe à Owen, mais celui-ci, tout à coup, au début de la quatrième, désespéré, donne un coup de boule à Raymond, qui soulève la protestation du clan de Sugar Ray Rougeau. Et il redouble de mauvais coups au désespoir de son fils, mais plus tard, les fervents expriment la joie qu'ils éprouvent à la victoire de mon partenaire, Sugar Ray Rougeau. Enregistrer la foule qui était en délire d'ailleurs. Eh ben oui, de plus, c'était pas le seul qui était là, évidemment. Il y avait énormément de superstars et en fait, il y en a eu des heureux. Oui, absolument. Il y en a qui étaient très intenses d'ailleurs. Eh ben oui. Et même Jerry Lawler faisait partie de l'histoire. Oui, toi-même, Jean Brassard était sur place. Et Raymond Rougeau, effectivement, a livré un combat absolument fantastique. On s'est mesuré face à face devant l'arbitre. Et très rapidement, Raymond a commencé à donner des leçons de boxe à Owen, qui a bien répliqué en fait avec un coup de boule et super kick aussi. Mais Raymond, très rapidement, a repris le dessus sous les encouragements de son père Jacques Rougeau et de son entraîneur Dino Clavet. Bientôt, on a célébré la victoire avec le fils de Raymond, Félix. Oui, à la fin du match, oh, quelle dégringolade dans le clan de Owen Hart. Et quelle victoire savoureuse. Ah ben oui, pour Sugar Ray Rougeau.